Hey mon pote CNJ, comment tu vas? Moi ça va nickel, et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur la Obscure Clan. Et oui, je suis rentré dans la Obscure Clan hier, et là je fais déjà un commentary, t'as vu. Aujourd'hui je vous ai prévu un petit sujet assez spécial, parce que c'est vrai que c'est assez rare ce qui va se passer, mais tout d'abord au niveau du gameplay, il s'agit du nucléaire sur la Fringe, donc sur BO3, à la HLX4, donc une nucléaire sans visée. Donc voilà, c'est un très beau gameplay, il est vraiment très joli à voir. Donc tout d'abord, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est CNJ, j'ai fait plusieurs teams performance, plusieurs teams assez connus, et maintenant je suis rentré dans la Obscure, je suis aussi commentateur du clip du jour de Code Q. Voilà, j'ai quand même un beau petit parcours de commentateur dont j'en suis assez fier. En tout cas, j'espère que sur la Obscure Clan, je réussirai à vous divertir et j'espère aussi vous satisfaire hein, par le biais de mes commentaires. Sur ce, je vous invite d'ores et déjà à mettre un like à la vidéo ainsi qu'à la partager. Bon allez, puisque tout est good, puisque moi je suis lancé, puisque le gameplay est magnifique, on va directement commencer le sujet. Tout d'abord, je vais vous afficher un screen à l'écran. Donc ce screen, c'est un abonné qui nous l'a envoyé. Vous pouvez voir son pseudo Steve du 95. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a été dans le marché noir. Donc il a ouvert un pack rare à 30 clés. Ce qu'il a eu, c'est tout simplement une chance incroyable, puisqu'il a eu la M16 et la PPSH dans le même pack. Et là, on va pas se mentir, c'est vraiment rare, et peut-être même que c'est la première fois, hein. Qui dit, ça se trouve, on sait pas, mais c'est peut-être la première fois que ça arrive, tout simplement parce que deux armes dans un seul pack, c'est vraiment rare. Déjà que d'avoir une arme, il faut vraiment avoir de la chance et vraiment dépenser des sous. Lui, il a fait un pack à 30 et tu vois, il a eu les deux armes, la M16 et la PPSH. Bon, au milieu, je vais pas te mentir qu'il y a un petit autocollant qui vient tout niquer, hein. Ça aurait été kiffant qu'il ait les trois armes, mais les deux armes, franchement, à mon avis, il a dû être vraiment hyper content. Alors il a pris une photo avec son téléphone portable, tout simplement parce qu'à ce moment-là il riquait pas avec le cher ou avec ce qu'il avait pour rec. Donc il a pris une photo avec son téléphone portable, hein, donc vous pouvez voir. Franchement, moi j'ai jamais vu ça, et je pense que vous aussi vous avez jamais vu ça, parce que voilà, nous on se fait chier soit à acheter des code points, bon moi je le fais pas, ou avoir des clés cryptage pour justement faire les packs, et au final on a que de la merde. Et lui, en un seul pack, il a eu deux armes. Franchement, GG à toi, et j'ai envie de te dire encore de la chance pour la prochaine fois. Et sur ce les potes, je vous invite à dire votre avis dans les commentaires, ça me ferait vraiment super plaisir de voir vos retours, ainsi qu'un max de likes à la vidéo. Et dites-moi si vous aussi vous êtes choqué, si vous aussi vous avez déjà vu ça, si vous connaissez quelqu'un qui a eu deux armes dans un seul pack, ou si vous-même vous avez déjà eu deux armes ou trois armes dans un seul pack, ce qui est peu probable. Je pense que même les Américains n'ont même pas eu deux armes dans un seul pack, tu vois. Eux qui ont toujours tout, peut-être là que le petit français, il a le world first d'avoir deux armes dans un seul pack, tu vois. En tout cas, un gros GG à lui. Et comme je l'ai dit précédemment dans le commentaire, j'espère que tu auras encore beaucoup de chance, et pourquoi pas nous refaire deux armes dans un pack, ou peut-être même trois armes dans un pack, ce qui serait le summum pour un joueur Call of Duty. Sur ce les potes, si ça vous a plu, moi je vous attends nombreux à répondre à la question que je vous ai posée dans le commentaire. Donc vous inquiétez pas que je vais scruter les commentaires, et si mon commentaire vous a plu, dites le moi aussi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir pour voir si sur cette nouvelle team je plais aussi au public de la Obscure Clan. Et si toi aussi dans le marché noir t'as eu des trucs extrêmement rares, n'hésite pas à nous envoyer une photo, on en fera peut-être part dans une de nos vidéos sur la Obscure Clan. Sur ce, je vous invite à checker la description, vous retrouverez ma chaîne ainsi que la chaîne du player. Abonnez-vous à la Obscure Clan, mettez un like à la vidéo, commentez et partagez. C'était NJ, je vais pas vous embêter plus longtemps, et moi je vous attends dans les commentaires comme je vous l'ai dit. Allez, à la prochaine.